Salut à tous, Patrick, Ceinture 21 Bayeux. Je vous retrouve aujourd'hui avec Frédéric Olivier, mon caméraman. On est dans les résidences du parc Eindhoven. On est vraiment dans un endroit central de Bayeux. Grosso modo, pour tout ce qui est vie commerciale, c'est génial parce que vous avez un Super U qui est à 100 mètres dans ce sens-là, le Carrefour qui est juste là, le Leclerc qui est juste là, et évidemment Bayeux et son centre-ville qui sont très proches. Donc c'est des résidences qui sont assez prisées. Et là, l'appartement qu'on va vous présenter, c'est un appartement, un grand appartement F3 au rez-de-chaussée. Donc c'est évidemment idéal par exemple pour des personnes à la retraite, un emplacement, ça peut être aussi évidemment des personnes plus jeunes parce que l'appartement est spacieux. Allons-y. La résidence est évidemment sécurisée. Pendant que je suis à l'extérieur, je profite de vous dire qu'on vend l'appartement avec une cave et une place de parking. La résidence est nickel, les parties communes sont bien tenues. On a un ascenseur, même si effectivement étant au rez-de-chaussée, il y a moins d'utilité pour cet appartement-là. Allez. Distribution assez classique des appartements de ces années-là, un gros hall d'entrée dans lequel vous trouvez des grands placards pratiques. Le séjour que j'ai maîtrisé est de quasiment 30 mètres carrés, qui a une triple exposition de grandes portes-fenêtres, que maintenant on appellerait ça des équivalents des vitrées, des petites avancées privées comme des sortes de balcons, on peut dire comme ça. Ensuite, une cuisine de 9 mètres carrés. On a grosso modo 40 mètres carrés d'espace à vivre. C'est pareil, toutes les pièces sont lumineuses parce qu'il y a quasiment systématiquement deux fenêtres, deux expositions et ainsi de suite. Chauffage individuel au gaz, ce qui fait qu'on a des charges maîtrisées. Là, vous avez des WC. Et l'appartement bien fait parce que le coin jour est bien séparé du coin nuit. Là, on arrive dans le coin nuit, séparé par cette porte. Une première chambre. Celle-ci fait 13,2 mètres carrés, assez grande. Et celle en face que Frédéric va vous montrer fait 9,98, 10 mètres carrés. Encore une fois, on retrouve deux fenêtres. Salle de bain. Vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, c'est un appartement qui est à rafraîchir, il est clairement en bon état d'entretien, mais on le louait à une dame depuis 30 ans, 1986, donc ça prouve qu'on peut être bien heureux dans cet appartement-là, donc il nécessite bah, évidemment d'être rafraîchi au niveau des sols et des tapisseries, même si on va dire que c'est que des travaux d'embellissement. Si vous voulez le visiter, je vous encourage à le faire, c'est assez rare à la vente, moi en un an à Bayeux, c'est le premier que j'ai en vente dans ces résidences-là, en rez-de-chaussée, parking, ainsi de suite, en grand F3 pour 80 mètres carrés. Donc assez rare à la vente, vous avez très loin à me contacter à l'agence au 02 31 92 09 34, où vous pourrez retrouver l'annonce sur notre site internet www.centurie21.com. Salut!